Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 packs de textures qui rendent le jeu beaucoup plus réaliste sur Minecraft. Vous allez voir, c'est de la 1.16 à la 1.17. Ils sont magnifiques et tout est super réaliste. Donc vraiment, regardez la vidéo parce que ça vaut le détour. Juste avant que la vidéo commence, si tu me découvres, sache que je fais des lives sur Minecraft le soir. Donc tu peux venir et puis je fais aussi sur d'autres jeux quand le cœur m'en dit. Donc voilà, tu peux me rejoindre si tu veux. Avant que la vidéo commence, je tiens à dire que je n'ai pas fait de classement, sauf à la fin de la vidéo, c'est mon pack de textures préféré. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de classement, ils sont tous beaux comme ils sont. Ok, j'ai enlevé les shaders parce que c'est quand même un gros pack de textures. Le premier là que je vais vous présenter, c'est Nappe. Alors, on peut voir que les arbres n'ont pas beaucoup changé, etc. Mais la cobble change et ça donne un petit aspect, ouais c'est plus raffiné j'ai l'impression. Plus raffiné sur tout ce qui est bois etc. J'aime vraiment bien leur bois et puis on va rentrer à l'intérieur de la maison pour voir à peu près ce qui s'y passe. Les armures n'ont pas du tout changé et même les items, ils ont vraiment travaillé sur plus l'aspect des blocs. Et pas forcément des items en soi, que ce soit la hache etc. On peut voir voilà le coffre. Avec un design plutôt c'est beaucoup plus réaliste et c'est vrai qu'on voit la touche de réalisme qu'ils ont voulu apporter. Et ensuite ici voilà, on a, je vous présente des rails parce que sur certains packs de textures les rails sont très très bien faits. Et ce que j'aime vraiment bien dans ce pack de textures là, c'est le minerai, donc surtout le minerai de diamant qui est super beau je trouve. Ils l'ont vraiment bien fait avec les couleurs etc. Il est vraiment au top, c'est mon préféré au niveau de ce minerai. Ok, j'ai mis la nuit pour vous présenter quelques mobs. Alors on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec le pack de textures de base. Pareil, les mobs sont pas non plus archi travaillés etc. Il y a juste le squelette que je trouve qui change un peu, voilà, il change, on voit quand même le changement sur le squelette. Mais alors soit c'est un bug de moi, je sais pas, mais alors moi il y a, voilà, il y a rien qui change. Il y a pas grand chose qui change sur les autres mobs etc. à part le squelette. Mais je trouve que c'est cool parce que du coup ils gardent cet aspect de Minecraft encore. Ils ont pas voulu trop le dénaturer en mettant trop de réalisme. Par contre on voit bien que sur la maison, ouais, ça change complètement. Vraiment ça change complètement. Et même les maps passifs, y a pas de changement en fait. Il y a quasiment pas de changement. Peut-être qu'ils ont affiné certaines textures, mais en soi, non, ça change pas beaucoup. Ok, on passe sur un autre pack de textures qui s'appelle Limitless, toujours en 1.16. J'adore les arbres, voilà, il faut le dire directement. Les arbres sont super bien faits avec les feuilles, etc. C'est trop, trop beau, je trouve. Et puis, même les feuilles, etc. Pour le naturel, du réalisme, etc., c'est vraiment bien. Même les buissons que j'ai pu mettre, ça fait vraiment des mini-buissons, en fait. Ça, c'est archi-réaliste. Je trouve que c'est vraiment bien réaliste. Juste peut-être qu'ils sont un peu foirés sur le gravier. Je sais pas, je le trouve pas super beau mais pourquoi pas. Et puis ensuite on rentre dans la maison. Les armures ont changé, l'armure en diamant est un peu bizarre. C'est vrai qu'elle est un peu bizarre. Par contre les items sont très très beaux. Hache, tout ça, regardez, ça change vraiment. C'est vraiment beaucoup plus naturel. Et beaucoup plus, qu'on se connaît dans la vie réelle quoi. Ils n'ont pas forcément changé les d'autres items. Voilà, ça reste les items de base. Ils n'y ont pas touché. Le coffre et la table de craft sont vraiment beaux, mais ce que je préfère, c'est le four. Voilà. Le four, il est magnifique parce que regardez, on voit même le détail des bûches, etc. C'est vraiment bien fait. Là, on a des TNT qui changent beaucoup de design. Hein. La table d'enchant, c'est pas non plus ce que je préfère. Par contre, regardez-moi aussi, les torches. Les torches sont vraiment très belles. Les torches sont vraiment très belles. Et puis si on descend, là, on a, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, des rails super bien faites. Et ça là, ce que vous voyez là, c'est une torche de redstone. Ouais, c'est ouf. Et ça, encore mieux, c'est un levier. Je vous jure que ça, c'est un levier. Je peux vraiment, voilà, je vous jure que c'est un levier. Par contre, ils n'ont pas du tout touché au minerai. C'est peut-être un peu dommage, mais ça donne quand même un bon pack de textures. Rien que pour le build, etc. On peut vraiment avoir un style un peu différent. Et puis regardez ça, c'est du bois de chêne. Hein. C'est du bois de spruce, pardon. Du bois de sapin. Et le bois de sapin est vraiment bizarre du coup. Enfin, c'est pas bizarre, mais on n'a pas l'habitude qu'il soit de cette couleur-là. Ok, pour ce qui est des mobs, ça change pas beaucoup non plus. Alors je crois que le piglin change un peu. Je crois qu'ils ont réussi un peu à le... Il tremble un peu. Hein. Ils ont réussi un peu à le changer, etc. Mais au niveau des mobs, j'ai pas de changement particulier à noter. Genre, c'est pareil. Ils ont pas changé les mobs. Ils se sont dit non, les mobs, on n'y touche pas. Donc, peut-être aussi un peu dommage qu'ils aient pas changé les mobs, mais c'est pas très grave. Non, j'aime bien sinon ce pack de textures là. Mis à part que pour l'instant, les deux packs de textures que je vous ai donné et que je vous ai fait voir, c'est vrai que les mobs changent pas et c'est peut-être la chose dommage.
Ok, alors là je suis passé en 1.17 pour un autre pack de textures qui est aussi très très beau et très très bien fait. Alors il est vraiment, c'est un gros pack de textures, donc même avec Optifine je tourne à 60 fps, 70, alors que d'habitude je suis à 100 fps, donc c'est un gros pack de textures. Je suis à 100, voire je peux même monter à 200, donc vraiment c'est un gros pack de textures, voilà. Et puis voici les armures qui sont archi belles, voilà, ça fait vraiment chevalier, tout comme les items, hein, vous pouvez les voir, là, l'épée, et puis même la hache en netherite, moi j'adore la hache en netherite, je crois que c'est celle que je préfère. Je crois que c'est celle que je préfère tellement c'est beau. Et non mais vraiment j'adore ce pack de textures, il est en 1.17, et il est magnifique, juste il est magnifique. On peut voir même tout ce qui est coffre, etc. Tout est réaliste. Là, il n'y a pas plus réaliste. Qu'est-ce que je fais le creeper ici? Il y a un creeper. Voilà, comme ça, vous le voyez en direct. Même les rails de vitesse, je sais plus comment on appelle ça, mais elles sont magnifiques aussi. Et puis, voici quelques minerais. Les minerais qui ressemblent un peu à d'autres packs de textures que j'ai présentés. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas le point négatif. Il n'y a pas de point négatif, en fait, j'ai l'impression. Il n'y a pas de point négatif. Il y a tellement pas de points négatifs que quasiment pas mal de mobs qu'on connaît et qu'on voit beaucoup sont faits. Sauf le village, voilà. Par contre, on voit son arbalète qui est magnifique. Voilà, mais sauf le pillager, comme on dit. Mais par exemple, là, voilà, le zombie, le creeper. Ici, on a une witch. Alors là, mais regardez-moi cette witch. Alors cette witch, elle fait vraiment peur. Elle fait vraiment, vraiment peur. Le squelette, bon, bah, c'est le squelette. Voilà, on n'est pas trop étonné de le voir à peu près comme ça. Mais c'est vraiment, je trouve que il est vraiment beau parce qu'ils ont réussi à faire des choses vraiment belles. Là, ça, ce mouton-là ressemble un peu au pack précédent, je trouve. Mais sinon, enfin, un pack de textures qui sont dans la vidéo. Il y en a un qui ressemble. Je sais plus c'est lequel, je t'avoue. Mais voilà. Et puis même, voilà, la vache, etc. Tout est beau. Et je trouve que ce pack de textures là mérite vraiment d'être dans cette vidéo parce qu'il est tellement réaliste, tellement beau, tellement magnifique. Et voici le dernier pack de textures que je voulais vous présenter, c'est mon préféré, je vous l'ai dit en début de vidéo. Il est magnifique, je suis désolé, il est magnifique. Alors déjà rien que les feuilles etc sont très très belles, c'est vraiment vraiment beau. Et regardez cette maison avec ce bois tellement bien fait. Alors vraiment c'est, non mais je suis désolé, mais alors j'adore ce pack de textures, tout sera beau sur ce pack de textures. Regardez même le détail du petit marteau sur l'enclume, oh là là, mais c'est magnifique. Cette porte hyper bien faite, la glowstone au sol, l'armure. Alors l'armure, j'ai juste pas compris pourquoi ils ont fait ça sur le casque, mais pourquoi pas. Écoutez, là on a de la TNT et puis la table d'enchant qui est magnifique. Regardez, en fait tout est en 3D limite, c'est peut-être la 3D qu'ils ont fait. Ils ont fait de la 3D, ils ont vraiment bien géré sur plein d'aspects. La hache en netherite là par exemple, on voit que c'est un matériel assez voilà, c'est précieux, comme là aussi ici. Non, j'adore ce pack de textures, je vous jure, je l'adore. Le diamant, voilà, hyper réaliste. Les steaks, etc. aussi, tout est réaliste, ils ont tout changé. Ils ont tout changé. Et celui-ci, je le trouve vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Là, on descend, regardez, c'est comme je vous disais aussi, les rails sont très très belles. Les rails sont magnifiques. Et puis, si on rentre ici, les minerais qui sont pas mal, j'adore celui du diamant et de l'émeraude. Ouais, je trouve qu'ils sont vraiment bien détaillés. Peut-être qu'il fallait aussi changer peut-être améliorer ceux-là, les premiers. Mais ceux-là, là, les deux derniers sont magnifiques. Le diamant est trop trop beau, il est très très bien fait. Non, j'adore. J'adore ce pack de textures. Je vous jure que c'est mon préféré. Et vous allez voir dans la nuit, c'est encore mieux. Voilà pourquoi je vous disais que dans la nuit, c'était encore mieux. Puisque on a quelques changements de mobs. Alors, ça, voilà, ça c'est la witch qui change pas, le zombie non plus. Le mouton qui lui change, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un mouton un peu différent. Alors je comprends juste pourquoi ils ont pas changé par exemple là les squelettes, pourquoi ils ont pas changé. Les vaches changent aussi. C'est bizarre qu'il y ait certains meubles qui aient pas changé. Vous pouvez me dire en commentaire, je trouve c'est moi, hein, je sais pas. Alors ça c'est les piglins qui ont changé. Alors lui il a un casque, c'est dommage, mais ah voilà, bah lui il a pas de casque. Ils ont changé, ils sont même très très bien faits. Et qu'est-ce qui est... Voilà, ça c'est les pillagers, voilà. Là, les pillagers, comme on dit. Ceux-là, mais ça fait vraiment humain. Ça fait même peur. Ils font peur, ceux-là. Ils font peur. Arrêtez, s'il vous plaît. Ne me regardez pas comme ça. Merci beaucoup. Voilà, j'adore ce pack de textures, il est vraiment très très beau. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâche un petit like et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire ce que t'as préféré comme pack de textures. J'espère que c'est le dernier que j'ai présenté, tellement il est beau. Allez, je vous dirai à plus pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi. Ciao.